Hello Athéna! Coucou Calice! Coucou! Ça va? Oui! Alors aujourd'hui les filles, nous allons faire un challenge, le challenge cookie. En fait, vous allez goûter à l'aveugle ces 14 cookies différents et vous allez essayer de les deviner. Et vous allez avoir des points, bien sûr, si et vous moi, arrivez je prends le chocolat. À deviner quel cookie il s'agit. Et on fera les comptes à la fin pour voir qui va gagner. Bon, toi Calice, tu vas le faire à l'aveugle avec ça sur les yeux. Attends! Et toi, Athéna, t'auras le droit de regarder. Ça va être rigolo, on va bien s'amuser et on va se régaler surtout. Allez, on y va, on commence ? D'accord. C'est parti. D'accord. Ok, prête les filles ? Oui ! Petit bandeau mignon, magnifique. Et toi, Athéna, tu as le droit de regarder. Et on commence avec la première assiette. Voilà, vous prenez chacun un cookie et vous prenez juste un petit morceau dans la bouche parce qu'il y en a quand même 14 à goûter. Coco. Ouais. Coco. Notre coco, toutes les deux ? Ouais, c'est bon. C'est très bon. Eh bien, nous passons au deuxième. On va ralasser sur la table. Alors, goûtez-moi ça. À quoi ça te fait penser, Athéna ? Aux grosses pépites de chocolat. Et toi, Athéna, tu dis quoi ? Pépites de chocolat, moi. Grosses pépites de chocolat aussi ? D'accord. On continue ? Alors, voici le troisième cookie. Il dirait le même. C'est dur, hein. Pareil qu'avant. C'est très bon, les cookies. Chocolat noir. Chocolat noir. Et toi, Athéna ? Chocolat noir aussi. Tu prends pas de risque, hein. Le choc au double chocolat noir, c'est ça ? C'est ça. D'accord. C'est ça. Et voici la quatrième assiette. Attention, goûtez bien. Je pense que ça peut être facile à trouver, ça. C'est assez particulier. Ouais, je vous aide, je vais vous dire. Bonne maman. Alors, tu dis bonne maman. Et toi, Athéna ? Bonne maman aussi. Allez, voici le cinquième cookie. Waouh, waouh, waouh. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce cookie ? Chocolat noir. Chocolat noir. Noisette. Chocolat noisette. Des éclats de noisette, tu veux dire ? Bip. Ok, alors les filles, on continue avec le sixième cookie. Attention. C'est parti. Ah, ça c'est particulier aussi. Caramel. Caramel pour Athéna. Dain. Dain pour Calice. Allez, on la tienne. Oui, oui, la voilà. Septième assiette, septième cookie. C'est parti. Chocolat blanc. Chocolat blanc pour Calice. Demain, chocolat blanc pour Athéna. D'accord, je note. On continue. Voilà. C'est la huitième assiette, si je comprends bien. Je retombe sur la noisette. Je retombe au chocolat noisette. Non, attends. Non, celui-là, c'est amande. Amande aussi. Alors, on continue, les filles, avec les neuvième cookies. Oh là 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 là. Bien adoré. Il y a quoi dedans ? Bah, c'est ça le jeu. Il y a quoi dedans, Athéna ? Je sais pas. Tu l'aimes bien celui-là ? Non. Mmh. Fondant caramel. Fondant caramel. Et toi, Athéna ? Fondant caramel aussi. Délicieux. Attention. Et voici la dixième assiette, les filles. Bon appétit. Merci. Ne te déconcentre pas là pour moi. Bon, je veux dire. Alors, j'ai 4 pépites de chocolat. Merci. Toi aussi ? Oui. Ok, granola, chocolat, grosse pépite de chocolat. Alors, je note. Elle est où l'assiette ? Elle est là l'assiette, les filles. Alors, goûtez-moi ça.
Est-ce que c'est bon, Athéna? Tu l'aimes bien celui-là? Mm-hmm. Alors, il y a quoi dedans? Je pense que c'est fondant au chocolat. Fondant au chocolat. Lequel? Fondant au chocolat noir. Fondant au chocolat noir. Et moi aussi. Toi aussi, Athéna. Fondant au chocolat noir et pépites de chocolat, c'est ça? Oui. Ok, je note. Oh. Et vous, l'assiette blanche? Assiette numéro 12, mes filles. Alors, goûtez-moi ça. Noix de coco. Ah, mais tu l'as déjà dit, noix de coco. Mais je pense que c'est noix de coco. Et moi aussi, noix de coco. Dans ce cas, on revient sur le premier. Allez, je vous donne un joker. Regoutez celui-ci. Vous aviez dit noix de coco aussi. Ça, c'était le premier cookie, souvenez-vous. Est-ce que vous gardez le noix de coco pour celui-ci ou pour celui d'avant? Pour celui d'avant. D'accord. Et celui-ci, ça serait quoi? Fondant au chocolat, mais pas le noir. Alors, il reste... Fondant au chocolat noisette. D'accord. Et toi, Athéna? Chocolat noisette aussi. Ah, c'était le petit joker. Alors, maintenant, on continue avec l'avant-dernier cookie, les filles. Ouh, ouh, ouh. Et le voici. On s'assoit, Athéna? Oui. Ça commence à sentir les cookies. Hein. J'en ai l'eau à la bouche. Je crois que je vais goûter aussi à la fin. Chocolat. Chocolat. Chocolat quoi, tout court? Chocolat noir. Chocolat noir. J'ai l'impression qu'il y a quatre fondants. Chocolat fondant au chocolat Milka. D'accord. Et toi, Athéna? Chocolat Milka aussi. Ça fait millimélo, hein? Et voilà, manger. Et maintenant, les filles? Le dernier! Et voici le 14e cookie, la 14e assiette. Alors, à quoi ça te fait penser, Athéna? Je sais pas. Celui que vous n'avez pas dit, c'est le fondant au praliné et amandes grillées. Ouais. J'ai pas trop l'impression que c'est un fondant, mais j'ai l'impression que c'est aux amandes et au praliné. Tu peux enlever le bandeau si tu veux, Calice. En quelque sorte. On va faire la récapépète en quelque sorte, puisque nous allons faire maintenant les comptes et voir combien de cookies vous avez deviné. Ça va, Athéna? Oui. Bon, alors maintenant, on va faire les résultats. Oui. Alors, d'abord, le premier tour. Vous avez dit toutes les deux, Michel et Augustin, cœur fondant, chocolat au lait et noisette. Et la bonne réponse est... Michel et Augustin, cœur fondant, chocolat noisette. Un point pour toutes les deux. Alors les filles, au deuxième tour, vous avez dit toutes les deux, granola aux gros éclats de chocolat. Et la réponse est Milka, ouin 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 ouin, avec du cœur fondant. Troisième tour les filles, vous avez dit les cookies chunk au double chocolat noir. Et la réponse est... granola aux éclats d'amandes caramélisées. Oh. Zéro. Quatrième tour, les filles. Vous aviez dit toutes les deux les cookies bonne maman, cookies des prés aux graines de sésame, tournesol et pavot. Et la bonne réponse est les cookies bonne maman, cookies des prés. Yes. Encore un point chacune. Je m'en doutais bien, il y avait beaucoup de graines. Bravo, bonne Calice. Maman, hein. Cinquième tour, les filles. Athéna, tu avais dit les cookies chunk au double chocolat noir. Je l'ai accepté parce que c'est la deuxième fois que tu le disais. Mais bon, hein, tu as 3 ans, donc j'ai accepté. Et Calice, tu avais dit les Cadbury à la noisette. Et la bonne réponse est... 4 ans. Le chunk double chocolat noir. Un point pour Athéna. Oh là là. Regarde. Bonjour, le mignon. Moi, je suis pas mignon. Oh, tu es Athéna. Sixième tour, les filles. Alors, Calice, toi, tu avais dit les granolas aux éclats de chocolat et aux dindes. Et toi, Athéna, tu avais dit les Michel et Augustin cœur fondant aux noix de pécan et au caramel. Et la bonne réponse est... les cookies granola aux gros éclats de chocolat et aux dindes. Bravo, Calice. Un point. Yes, 2 points. Un tour. Septième tour, les filles, vous avez dit toutes les deux les cookies chunk au chocolat blanc et à la noix de macadamia. Et la bonne réponse est... les cookies chunk au chocolat blanc et à la noix de macadamia. Oui. Un point chacune.
Huitième tour, les filles, vous avez dit toutes les deux les cookies granola aux gros éclats de chocolat et aux amandes caramélisées. Et la bonne réponse est... les cookies Cadbury à la noisette. Mouin, 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 mouin. Ouais. Non, ça veut dire que tu as perdu. Mouin, 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 mouin. J'ai gagné, moi. Oui, tu as gagné. Neuvième tour, les filles. Vous avez dit toutes les deux les cookies Michel Augustin cœur fondant au chocolat noir, noix de pécan et caramel. Et la bonne réponse est... les Michel et Augustin cœur fondant aux amandes. Ah, presque. Eh, c'était quand même des Michel et Augustin cœur fondant. On vous met un demi-point chacune. Yes, yes. Au dixième tour, les filles, vous avez dit toutes les deux les granolas aux gros éclats de chocolat. Et la bonne réponse est... les granolas aux double éclats de chocolat. Yeah. Alors attention, au 11e tour, les filles, vous avez dit toutes les deux des cookies Michel et Augustin, cœur fondant, chocolat noir et pépites de chocolat. Et la bonne réponse est... les Michel et Augustin, cœur fondant, noix de pécan. Ah, mais c'était quand même des cœurs fondants Michel et Augustin, donc un demi-point chacune. Aïe, 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 aïe. Les filles, au 12e tour de cookies, vous avez dit toutes les deux des cookies à la noix de coco. Ouais. Et la bonne réponse est... les cookies à la noix de coco. Ouais. Aïe, 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 aïe. Alors les filles, pour l'avant-dernier tour, vous avez dit toutes les deux des cookies Milka avec un cœur de chocolat et des pépites de chocolat. Et la bonne réponse est... les Michel et Augustin cœur fondant au chocolat noir. Ah, ouin, ouin, ouin. Allez, comme il y avait un cœur fondant dans les deux, même si c'est pas la même marque, je vous mets un demi-point chacune. Cool. Attention les filles, le 14e et dernier cookie goûté. Vous avez dit toutes les deux le Michel et Augustin cœur fondant au praliné et amandes grillées. Et la bonne réponse est... les cookies chunk au chocolat au lait et à la noix de macadamia. Ah, ouin, 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 ouin. Eh bien voilà, attention les résultats finaux les filles, c'est pas mal du tout, puisque vous obtenez chacune, il y a égalité, un score de 7,5 chacune. C'est-à-dire que vous avez 7,5 sur 14, vous avez plus que la moyenne, et c'était pas évident, alors je vous applaudis, bravo les filles. Wow. Goûtez à l'aveugle pour Calice, et puis Athéna, bon... ce qui est bien, c'est que vous avez dit des choses différentes de temps en temps, et malgré cela, vous avez égalité, vous êtes aussi fortes l'une que l'autre. Est-ce que ça vous a plu, ce challenge? Oh oui! On refera des challenges comme ça? Ça fait goûter! Allez, oui, ça fait goûter en plus. Allez, on refera des challenges de ce style avec grand plaisir, mais d'ici là, qu'est-ce qu'on dit à tous les petits copains qui nous regardent, les filles? Au revoir! Et surtout... abonnez-vous! Et laissez des petits... commentaires! Et des petits... bananas! Poupées, comme les mignons de ton t-shirt. Ça marche, Calice et Athéna, t'es parti. Athéna, tu viens faire un bisou, petit copain. Bisous les filles, à demain, ciao, ciao. Ciao. Et pour Calice et pour Athéna, un gros chocolat. C'est bon le chocolat. C'est tout magique. Ça te fait rire? Ouais. Cachez.